Je m'appelle Jury Floritos Sly. Je suis élève en classe de 5e. Ce texte qui fait l'objet de ma présentation est tiré du livre Le Pain Noir. Ce texte est intitulé Le miroir de la disette de l'auteur Bernard Dadier. Il était une fois dans un village où la famine s'était abattue. Un homme dénommé Kaku Ananze, n'échappant pas au sort commun, sentait lui aussi les affres de la faim. Crampes à l'estomac, vertige, trouble de la vision, douleur dans les articulations. Il se demandait tous les soirs s'il allait pouvoir se lever le lendemain. Pour réussir à tenir, il se fit pêcheur. Il avait acquis dans l'art de pêcher une habileté incontestable. Il pêchait obstinément sans rien prendre. Mais un jour, il attrapa au bout de sa ligne un petit sulu, gros comme le petit doigt de la main d'un nouveau-né. Le sulu lui dit « Épargne-moi, papa Ananze. » Mais Ananze lui répondit « Que dis-tu ?» Et dit encore à Kaku Ananze, « Laisse-moi dans l'eau et tu seras heureux. » Lui dit-il encore, « Monte sur le fromager qui est là-bas, sur la 12e branche, la plus flexible. Et de là, laisse-toi tomber. » La voix était si suppliante, si douce, que Kaku Ananze décida de tenter l'aventure. Il monta sur la 12e branche et se laissa tomber de façon à ne pas arriver la tête première. À peine arrivé au sol, il se trouva dans une magnifique contrée. Il était tombé dans un champ plein où il poussa un peu de tout et mangeait à satiété. Un jour, surpris dans sa retraite, il fut conduit chez la reine de cette cité merveilleuse. Il se comportait si bien qu'il devint le premier ministre de ce royaume. Il était là et prospérait. Mais un jour, la reine lui dit, « Tu peux tout faire dans mon royaume, tout faire dans mes palais, mais tu ne dois jamais te mirer dans ce miroir. » Et de là commença son malheur. Il s'est miré dans le miroir, et revena sur le bord du fleuve au bord duquel il était. Il prit au bord de la ligne le même sulu qui lui avait proposé de monter sur la de fromager et de se faire laisser tomber. Il demanda au sulu de refaire la même scène qui s'était déroulée quelques instants après. Mais quand il monta sur la 12e branche, en jouant à la nacelle balancée, il vint s'écraser sur le sol. Mais heureusement, il n'en mourut pas.